Salut, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, c'est Riders Republic et on va se faire une mass race. Non, je rigole. En vrai, j'ai pas encore sorti la vidéo du multijoueur, mais je pense que vous connaissez mon amour pour les mass races, donc on va pas du tout faire ça aujourd'hui. Riders Republic, ce que je vous propose, j'ai rien prévu. On va se faire au feeling, on va chercher des courses, et s'il y en a une qui nous plaît, on va se la faire ensemble tout de suite. Tiens, on va faire celle-là, voilà. On se téléporte. Vous avez vu ? Ma nouvelle casquette. Et, attendez, on va le laisser parler parce qu'il va pas être content si je lui coupe la parole. Il nous l'a fait 700 fois. C'est le moment de parler du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming. Si vous voulez acheter des jeux moins chers, le lien est en description. Merci. Ouais, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle casquette, c'est incroyable, n'est-ce pas? Elle est toute belle, hein. Une casquette, on voit, c'est une casquette, il n'y a pas de marque. Je l'ai acheté même pas 10 balles, mais il fallait quand même que je change à un moment ou un autre. Et voilà, donc pas mal de choses à vous dire. Déjà, on va lancer cet event. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? On va faire atteindre la ligne d'arrivée sans chute, sans checkpoint raté. Ok, j'ai l'impression que ça arrive souvent. Gagne et récupère les 5 ballons étoiles. Si je les vois, je vais essayer. Gagne en expert ou plus. Ouais, mais ça, si c'est avec le Rocket Wing, j'arrive pas. Soit c'est parce que j'ai pas le meilleur encore pour le moment. On va laisser en pro et gagne sans chute, sans checkpoint raté. On va essayer. Donc ouais, et en même temps, je vais répondre à la question de pourquoi j'ai tout le temps des casquettes. Et avant, la vidéo multijoueur sortira ce soir de mon côté. Si vous avez un rêve, réalisez-le. J'ai l'impression que c'est les mecs qui font les énoncés, là, ils donnent des phrases philosophiques. Si vous avez un rêve, réalisez-le, c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Mais par contre, le mec, il donne une phrase et après il disparaît et on dirait qu'il est blasé. Si t'as un rêve, bah réalise-le. Si tu manques d'oxygène, oublie pas de respirer. Ah, t'as respiré, c'est très bien. Voilà, en gros, c'est ça. Et ouais, j'ai pas encore sorti la vidéo du multijoueur. Elle devrait arriver ce soir, mais j'avais envie de rejouer. J'avais envie de faire d'autres missions. Et comme ça, ça en fera une en avance. C'est pas mal. J'ai plusieurs tours. Ouais, il va falloir qu'on se donne à fond. Ouais, par contre, en expert ou en pro, c'est pas toujours évident, là, de... En élite, plutôt. Oh, j'ai vu le ballon. J'ai vu l'étoile, mais ça va être chaud de le récupérer. J'ai le droit de freiner ou pas? Je crois que si, j'ai le droit de freiner. Il faut juste que je rate aucun checkpoint et que je fasse des pas de retour arrière. Donc ouais, la question, on me l'avait déjà posée, pourquoi je porte tout le temps des casquettes? J'avais déjà répondu, mais je vais répondre avec plaisir pour les casquettes. En fait, j'ai toujours eu des casquettes. Ma première casquette, je crois que j'étais en primaire, et c'était un ami à mon père, un de ses meilleurs amis, qui était parti aux États-Unis et qui m'avait ramené une casquette des Chicago Bulls, et je la portais tout le temps, quoi. Même en cours, les profs me disaient « Enlève ta casquette », et je la portais tout le temps. Il y a des photos... Je peux pas retourner en arrière, maintenant je vais recommencer le même débouge. Oula, le micro il fait des grésillements. Désolé, je recommence. J'ai pas le choix. J'ai le droit de freiner, faut que je freine. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il tourne pas très bien. J'ai pas pris celui qui tourne le mieux de trucs là. Ouais, en gros, j'avais tout le temps ma casquette. Et il y a même des photos de moi enfant où je dormais, je faisais ma sieste et je dormais et j'avais ma casquette. J'ai toujours eu des casquettes. J'adore les casquettes. Même avant que je perde mes cheveux, j'avais déjà des casquettes. Et souvent, on fait. Dans les soirées, pourquoi t'as une casquette? Genre le jugement. Bah, pourquoi t'as une perruque, toi? Non, c'est faux, mais... Ouais, je vois ça un peu comme un... Pas forcément un bijou, mais un truc qui habille. Il y a des gens qui mettent des bagues, des montres, des bracelets, des colliers, peu importe. Moi, je mets... Ou des chapeaux, même. Moi, je mets ma casquette. C'est mon bijou. Voilà, du coup, j'adore. Et même, ça couvre aussi le fait que je perde mes cheveux. Et en même temps, pour tout vous dire, je commence à avoir un vitiligo. Comme ma mère en fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une dépigmentation de la peau et je commence à voir ça sur le front. En vrai, ça me dérange pas parce que bah, j'ai connu ma mère qui a toujours eu ça. Pour plus d'explications, vitiligo, c'est des problèmes de pigmentation de... Non mais il tourne pas, je suis à fond, je freine à fond. De la peau en fait. Et ça peut être dû à un stress, un énorme stress. Moi, ma mère, elle l'a eu à ses 18 ans quand sa mère est décédée. Ça lui a fait un tel choc que ça s'est répandu bah, sur son corps. Ça commence par les mains, généralement. Moi, j'en avais déjà eu quand j'étais plus jeune, mais c'était parti un peu. Mais vraiment, 2-3 taches. Mais vous avez... Il y a une femme, une mannequin qui est connue et qui a un vitiligo. Il y a un combattant du UFC aussi, c'est faut juste faire attention à mettre de la crème anti-soleil. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Pour éviter les coups de soleil parce que votre peau n'est plus protégée. Mais là pour le moment, ouais, j'en ai un peu sur les mains, j'en ai un peu sur le front.
et un peu sur les jambes, mais ça me dérange pas. Moi, je sais que ma mère, quand elle était... les gens qui connaissent pas, des fois, ils ont eu des réactions bizarres. Quand elle allait à la piscine, et les gens sortaient de la piscine publique parce qu'ils avaient peur que ça soit contagieux. Ce genre de... Attendez, je vais attendre de me remettre dans l'axe. Ah non, mais j'utilise vraiment pas le plus évident, quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Ça peut peut-être se voir. Les taches que j'ai sur le front, sur les miniatures, je le cache pas, en vrai. Mais c'est pas héréditaire et c'est pas contagieux, c'est juste une grosse période de stress qui peut provoquer ce genre de choses. Bon, s'il y avait un truc à récupérer... Non mais ça... Deux tours là-dessus, mais c'est vraiment un calvaire, votre machin, là. Voilà pourquoi je porte des casquettes. Mais c'est long, je vais devoir faire deux tours comme ça, vous êtes sérieux? Ça va être compliqué, hein. Je le fais et je fais autre chose après. C'est bon, je vais faire du vélo, du ski, peu importe, mais je refais pas ça, quoi. C'est pas le truc qui m'amuse le plus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réponse ou des questions, je sais plus. Ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça la forme, j'espère que ça vous plaira également l'aventure. Faudra que je tourne un épisode après d'Infected. J'ai rejoint un peu de mon côté. C'est là où je... Par contre, là, j'ai peur de retourner là-bas. Il y a l'étoile, je sais, mais... J'ai peur, je vais m'écraser et je vais tout perdre et je vais pas envie de recommencer ça. J'ai pas envie. Et en plus, là, faut que je fasse attention. Il y a mon propriétaire, parce que je suis en location, qui passe. Et il va faire des visites. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour ça que je dois déménager. C'est qu'il a décidé de vendre l'appartement dans lequel on est. Et il doit venir après pour faire des visites d'appartement. Et si je peux éviter de faire... Mince, j'ai postillonné sur le micro des vidéos en même temps qu'il y a le mec qui visite. Alors là, vous avez la chambre. Et moi, je suis « Salut, c'est Alex, ça va ou quoi, les mecs ?» En pleine vidéo, est-ce que tu peux partir? Pouce bleu. Voilà pour tout ça, si vous voulez tout savoir. Donc ouais, si vous voyez quelqu'un dans la vie qui a des taches blanches sur les mains, le visage et tout ça, dites-vous que c'est juste un problème de dépigmentation. Enfin, c'est pas un problème en soi, c'est de la dépigmentation. Donc c'est pas contagieux, c'est pas grave, ça fait pas mal. C'est juste, faut faire attention au soleil. Et ça se voit plus, l'été, généralement, si vous êtes bronzé, ça se voit beaucoup plus. Allez, mon gars. J'aimerais bien finir ça et faire autre chose. Mais ouais, celui-là, je m'en rappelle, en plus, on l'avait débloqué, il est super rapide, mais niveau maniement, il est ignoble. Et je peux vous le confirmer, il est ignoble. Et aussi, pour répondre à la question, j'avais dit... en rapport avec mon âge, quel âge j'avais. En fait, je vous avais déjà répondu, mais c'est dans une vidéo de Forza, mais c'est la vidéo de Forza où j'avais pas gardé les 10 minutes où j'ai acheté la Corrado. Et vous êtes plusieurs à avoir donné mon âge, et la réponse, je vous la donnerai pas, parce que ça se fait pas. Non, je rigole. Non, je garde le mystère pour moi. Et je vais passer, là on est le 1er décembre, dans quelques jours, ça va être mon anniversaire, et je vais vous donner un indice. Et je vais prendre un an de plus. C'est pas mal, hein? Voilà, vous en savez plus. Non, je vais garder mon âge, ça fait mystérieux maintenant. Comme mes cheveux, vous voulez que j'enlève ma casquette? Et je l'enlèverai pas, ça fait mystérieux. Tout le monde s'en fout. Ah ouais, mais sans chute, oh, mais ouais, mais... C'est bon, on s'en fout. C'est de la bouse. T'as absolument zéro limite. Ah, je déteste. Je le hais. J'ai l'impression tous les trucs, je les hais à chaque fois sur le jeu. Je hais le multijoueur, je déteste le Wingsuit, je déteste. Et je déteste ce mec quand il parle. Nouvelle mission au bout de la carte. Un Half Dome, regarde, on la voit pas, c'est trop bien. Et maintenant, il y a même celle-là. Waouh. Tu as vu ça? Tiens, on va faire du ski. Voilà, comme ça, il va arrêter de m'embêter. Elle est où la course de ski? Je vais aller là-bas. Tiens, on va y aller en windsuit, ça sera plus drôle. Attendez, hop. Ça me fait des grosses fesses, vous trouvez pas? Voilà, là je suis bien. Faut que je regarde mon téléphone. Est-ce que le propriétaire a appelé? Non, le propriétaire n'a pas appelé. Le mode lent, voilà. On va se faire un peu de ski, ça va faire du bien. 30 secondes plus tard, vous allez me voir en train de criser. Je peux accélérer un peu là? J'ai même pas rejoué à Battlefield. Il y a une vidéo de Battlefield que j'ai enregistrée. Et j'ai toujours pas fait le montage, faudrait peut-être que je fasse le montage pour vous la sortir. J'ai pas rejoué depuis pas mal de temps. J'ai bien tout récupéré là.
Ah, c'est ça qu'on entend. Attends, je vais le récupérer rapidement. Viens avec moi, monsieur. Voilà, il y en a 500, je crois, à récupérer. Ouais, 500, j'en ai que 19. C'est pas le truc que j'ai fait le plus. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Récupère 5 balles. Non. Gagne et glisse sur un tronc. Gagne et glisse sur un tronc. Termine dans le top 3 en expert ou plus. Oh là là. Attendez, je vois équipement. J'ai pas mieux que ça. Non. Expert ou plus. On va essayer de gagner en expert. Il faut que j'essaye de glisser sur un tronc. On va essayer. Je vais me donner à fond. Pour le moment, on n'a rien fait de vraiment bien pour depuis tout à l'heure, mais on va essayer. Ça, voilà, j'ai des meilleures sensations. C'est plus... Pourquoi je vois blanc? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je voyais noir et blanc? Pourquoi j'ai vu en noir et blanc? L'autre, il est parti, il est trop loin. Là. Attendez, mais il faut que... Je vous avais dit que je m'énerverais. Il n'y a que quand je joue à des jeux que je vois mon plafond, en fait. C'est quand je m'énerve, je regarde le plafond. Bon, il faut que je me donne à fond, mais l'autre, comment ça se fait, la coriandre, il est devant moi, là. Ah, là, je vois pas en noir et blanc. Par contre, je vois pas où je vais. Oh, non. Il faut que je glisse sur un tronc. Donc, si vous voyez un tronc, vous me le dites. Parce que j'ai tendance à me prendre les troncs dans la tronche, mais pas glisser sur les troncs, quoi. Et tronc, il a dit. Oh, attends, on va y aller. Mais ça y est, je revois en noir et blanc. Par contre, le premier, mais on dirait le Morang, c'est ça, Minecraft, non? Mais j'avance pas en plus. Et là, j'ai pas de boost. Hein. Attendez. Je vais pas faire de figure, je vais pas faire le malin. On va à droite. Ouais, voilà, je l'ai dit en plus avant que j'allais à droite. Allez, vas-y, mon pote. Oh, c'est joli, là. C'est joli. Avant que je me prenne un arbre. Vous avez vu un tronc ou pas? Oh, je suis premier. Ok, je suis premier. Faut que j'essaye. Oh, ils ont mis l'étoile là, ils sont trop gentils. Oh, non, le tronc, il était là. Vite, retourne-toi. Punaise, le tronc, il était juste là. Mais non. L'étoile. Étoile des neiges. Étoile encore. Ouais, mais c'est risqué. Mais non. Oh, punaise, j'ai perdu. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait tout autour, espèce de sombre bouse? Bon, moi j'aurais terminé premier. Par contre, j'ai pas glissé sur son tronc là. Quoi? Par contre, les trucs des 5 ballons étoiles, je suis désolé, mais pour moi, je les ai jamais ramassés les 5 là. Tant mieux, hein, je suis content, mais j'ai vraiment l'impression de pas les avoir tous vus quoi. Oh, c'est vrai que les skis en même temps, on en a pas débloqué tant que ça, on en a pas eu si souvent que ça. Mais c'est moins bien. Il y a juste l'amortissement, sinon vitesse et tout. Vas-y, je vais le prendre, mais. Deux trucs? C'est la première fois que je reçois deux trucs dans ma... Mais c'est moins bien. Il me donne des trucs pourris. Moi, je suis content. Je suis, ouais, il me donne des trucs. Bah, tu m'étonnes, c'est de la bouse. Oh, il y a un truc de vélo en bas. Mais on s'en fout aussi. Le mec ignoble. Juste avant la prochaine grosse épreuve, le multiball. Le multiball. Quand t'es dans les montagnes, éclate-toi à fond. Car tu veux que je m'éclate à fond? Ok. Et parfois, ils diront de rentrer chez toi. C'est comme ça, c'est la vie. Je me suis éclaté à fond, comme elle l'a demandé. Alors, je vais prendre mon super vélo. On l'a jamais vraiment utilisé, celui-là. Avec ça, je suis une fusée. Matez-moi ça, je vais faire du 300 km/h. Ou pas. Le pont, il est pas mouillé, par contre. Ouais, il faudrait que j'essaye aussi de faire les grosses activités avec vous. Parce que là, on fait surtout des petites activités, mais là, le truc ball qu'elle a dit, ça pourrait être cool d'essayer ça. Attendez, je vais vous montrer un truc, regardez, vous êtes pas prêts? Hop. Voilà, comme ça, j'irai plus vite à la mission. Comme ça, on pourra en faire une autre. Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait déjà 14 minutes. Ah, j'avoue que la première mission, elle a duré très longtemps et elle était absolument pas fun. Pose un Indian Air Front Flip, c'est lequel, le Indian, déjà? 5 ballons, non, dans le Tartar, en expert ou plus. Vas-y, on va essayer le top 3. En expert ou plus. Expert. Indian. Faut que je me rappelle c'est lequel, le Indian. Je me rappelle pas c'est lequel. Mais on va essayer de terminer dans le top 3. Faut que je fasse quoi là? Faut que je marque un maximum de points. Ouais, c'est ça, là. C'est plus de points possible. Donc, est-ce que j'ai fait un Indian, là? Oui, j'ai fait un Indian, voilà. Mais, voilà, ils m'ont poussé. Oh non, j'aime pas cet endroit. Ça, c'était un endroit qui était dans la bêta. Je sais pas si vous vous rappelez de la bêta.
où on faisait des trucs multijoueurs justement de scoring. Faut que je sois dans le top 3. Allez, je vais essayer de vous impressionner avec mon talent. Ça, j'aime bien ces vélos là parce qu'on a l'impression que je suis balèze alors que je fais rien de spécial. Oh! Aïe, voilà. Ça me gratte. Je pense que j'ai pété la côte de mon perso et du coup, je me suis fait mal moi-même en vrai. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme figure maintenant? Je vais faire ça. Ouais, ça. Pas mal. Vous en pensez quoi? Oh! Chaud! 2 minutes encore. Attends, je vais prendre la petite étoile. Ah ouais, il y avait prendre les étoiles. Je l'ai prise ou pas? J'ai entendu le son, mais je suis pas certain. Il y a l'étoile là-bas. On y va. Vite, 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 vite. Je l'ai prise, je crois. Il y en avait une autre au début. Attendez. Faut que j'arrive à toutes les prendre. Il y en avait une là, non? Ouais, elle est là. Comment je fais pour prendre l'étoile que là? Le seul moyen que je vois de la prendre, c'est de mourir. Oui! Il me faut d'autres étoiles. Parce que niveau score, je suis plutôt pas mal. Wow. Je trouve ça tellement impressionnant. Il y avait une figure que j'avais appris que je voulais vous montrer, mais je sais plus comment je la fais. Elle était pas mal, ça faisait... comme ça. Non, ça... Mais je le fais dans le mauvais sens, les figures. Il m'a poussé. Ah, je pourrais pas vous montrer, je me rappelle plus de la figure. Où sont les étoiles? Et ouais, je fais le parcours dans... C'est quoi qui me gratte, là? Faudrait peut-être que je me lave un peu. Non, je rigole. Faut que j'arrête de dire je rigole après une blague. Le seul truc qui me manque là, c'est peut-être une étoile ou deux. Par contre, le souci, c'est que je ne sais absolument pas où. Quoi ? Salut tout le monde ! Quelle magnifique journée ! À l'écoute ! Ça me l'a déjà fait ça en fait. On fait les figures et j'appuie pas sur le bouton de rewind. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. C'est rare hein, que ça me le fasse. Mais ça fait des retours arrière sans appuyer sur le bouton. C'est des fois une figure qui fait ça. Mais je sais pas pourquoi. Mais. Je sais pas si je pense pas que ça soit un. Ouais, si, c'est un petit bug, mais il est pas très récurrent, donc ça. Juste quand je dis ça, je me plante la tête dans le sol. Il n'est pas très récurrent, donc en vrai, ça va, c'est pas dérangeant. Je crois qu'il me manque une étoile. Niveau score, on est vraiment bon. Elle est où la dernière. Aïe. Elle est où la dernière étoile? Merci. Ah mince, c'est fini. Ah, c'était un front de flip. Oh, j'ai oublié. Ah oui, mon plafond, j'avais oublié aussi. J'ai oublié que c'était un front de flip. Ah, vous voulez dire que j'ai pas mis un seul front de flip après? Non, oh, c'est fou, ça. J'ai plein de thunes, mon gars. Alors, montrez-moi, est-ce que ce vélo est mieux que le mien? Ouh, il est plus mieux. En plus, il est plutôt joli. Nice. Ah, d'autres vélos. Pourquoi il est en gris? Tes techniques là, c'était trop cool. Trop bien. La première grosse épreuve du All Style du Canyon approche. D'abord, profites-en pour enchaîner des tricks de malade dans les prochaines épreuves pour t'aider à progresser avec style. Déchaîne-toi et appuie sur la pédale. Ciao. Ciao. Non, trop bien. En vrai, trop bien. L'autre course, on pourra peut-être se la faire durant une prochaine vidéo si ça vous plaît toujours. Contrat de sponsor. Moi, si ça vous plaît, si vous êtes chaud, on peut se faire ça la prochaine fois. On peut continuer encore. En vrai, il y avait une partie de moi qui me disait, est-ce que je continue encore le jeu, sachant qu'on a presque tout fait? Enfin, on n'a pas fait toutes les missions, mais on a fait quand même pas mal de choses. Est-ce que ce point de vue, je l'ai déjà fait? Mais je me suis dit, si ça vous plaît, et qu'on passe toujours des petits bons moments comme ça, pourquoi pas refaire d'autres missions dans le jeu de cette façon-là, de temps en temps, ça, moi, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Attendez, je vais aller regarder le point de vue, et après, vous inquiétez pas, je vais défoncer la tronche de mon perso. On va utiliser quand même... Oh, un animal! D'accord. Est-ce que je l'ai fait ce point de vue? Ouais, je l'ai déjà fait. Bon, bah sur ce... Il meurt pas. Voilà. Là, il est mort, je crois.